Eh bien salut à tous les amis, Servantin68, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Slime Rancher. Aujourd'hui on va pas vraiment faire d'exploration, peut-être à la fin si on aura du temps, j'essaierai de voir si on pourra quand même en faire un petit peu. Mais aujourd'hui on va surtout améliorer la ferme, vraiment quand vous m'avez dans le petit i en haut la dernière fois, vous m'avez dit que vous préférez que j'achète simplement la grotte, donc c'est ce que je vais faire et j'ai des petits projets pour aménager le ranch. Donc déjà comme vous pouvez voir j'ai énormément d'argent, donc là déjà on va s'acheter ça, voilà, ça c'est toujours mieux d'avoir ça, au moins ça nous permet d'avoir plus de boost et d'avoir plus de place dans l'inventaire. Donc on va vendre tout ça. Oh, pour se remettre un petit peu de toutes ces émotions, parce que là on a acheté un peu beaucoup de choses. Enfin c'est, on en a pas acheté beaucoup mais ça coûte assez cher. Alors maintenant comme vous me l'avez demandé, je vais acheter, hop, la grotte. Waouh, oh magnifique avec le petit musique là. Oh oui, oh c'est beau ça. Ah oh, magnifique. Donc en fait si vous voulez, ce que j'aimerais faire c'est que ici je vais essayer vraiment de mettre tous les slimes ici en gros. Parce que moi mon but dans Slime Rancher c'est... Oh il y a un téléporteur, c'est pour aller où ça? Ouais c'est bizarre ça. C'est vraiment de faire comme un zoo si vous voulez. J'aimerais avoir toutes les espèces en fait. Mais pas les... Attendez je vais voir comment ils s'appellent. Slimpedia, voilà, les slimes. Donc les slimes normales. Mais j'aimerais pas avoir des slimes largos, voilà. Les slimes largos. Parce que je préfère les slimes puras, si vous voulez. Hein, je les trouve un peu plus jolis, tout ça. Même si c'est un peu plus productif les autres. Et puis les amis, j'ai vraiment été super chanceux. Et je suis deg de pas avoir filmé ça. Parce que j'ai pas l'idée quand je joue en off de filmer. Mais je suis tombé sur ça. Oui, je l'ai eu. La plorte d'or. La plorte dorée. Je l'ai eu. Il y avait un slime d'or comme ça. Il s'est mis à courir. Je lui ai lancé une pogo fruit. Ensuite, il a fait son caca. Et après, il s'est envolé en l'air. Il a disparu que ça dans un nuage de fumée. Enfin, dans des petites étincelles d'or comme ça. C'était magnifique. Et en petit souvenir, je vais le garder. Parce que waouh, incroyable quoi. Je pensais pas que j'arriverais à l'avoir un jour. Donc, maintenant qu'on a ça, on va aller acheter des enclos là-bas. Pour mettre tous nos slimes. Surtout que là, j'ai les rades et les cristaux. Hop. Hop, on va mieux à fond. Fil aérien, collecteur de plortes, voilà. Non, je peux mettre les rades là. Voilà. Mets les rades. Comme ça. Maintenant, on va acheter un deuxième. Comme ça. Sauf que là, j'ai plus assez. Donc, je vais fermer un petit peu. Et puis, écoutez, on va se retrouver tout de suite. J'ai fini de farmer, donc ce que j'ai réussi à faire, c'est bien sûr j'ai pas mal farmé, donc j'ai reçu beaucoup d'argent, mais je me suis aussi acheté à 750 des points de cœur en plus, donc 50 points de cœur en plus, ce qui est pas mal, hein, ce qui est vraiment bien. Au moins j'ai plus de cœur et j'ai moins de chances de mourir, hein, comme une grosse merde. Alors, les cristaux, hop, on va les mettre là.
Voilà, très très joli slime. Franchement, c'est parmi mes les plus jolis, je trouve. Ils sont vraiment magnifiques. Alors, est-ce qu'on aura assez d'argent pour construire celui-là? Hop. Léo mur. Fil aérien. Collecteur de plortes. Voilà. Alors, on n'aura pas assez pour faire celui-là. Mais c'est pas grave, au moins on aura déjà pas mal de trucs. Non, on peut plus rien du tout. Non, on peut plus rien. Eh bah purée, s'il faut encore je farm là, j'en ai marre moi. Bon, on va aller voir à l'extérieur. Donc ce que j'avais prévu de faire aussi, c'est de mettre que des potagers ici. Donc 4 potagers ici, qui vont produire un maximum pour tous les slimes qui seront là-bas. Celui-là, pour l'instant, je vais laisser là. Les slim chats, je vais aussi les mettre dans la grotte. Et comme ça, j'aurai 2 enclos à poules. Parce que là, en fait, les poules, elles produisent pas du tout assez pour les slimes, là. Je vais prendre, hop, 2 poules. Je vois combien il y a de poules. Moi, je vais en prendre une. Hop, voilà. Mais ça produit pas assez, en fait. Même si le truc est à fond, quoi. On peut pas le rendre mieux. Mais c'est quand même... ça suffit pas, quoi. Hop, hop, hop. Je prends tous ces slimes. Voilà, les 15. Ensuite... Hop, on démolit. Ah, ça coûte 100. Ah ouais, non, mais là, ça abuse, là. Ah ouais, mais ça abuse, là, ça coûte 100. Ah bah, puis heureusement qu'il me restait un petit reste, hein. Allez, hop, on prend ça. On va ramener ça là-bas, comme ça, on aura un deuxième potager. Enfin, un troisième, du coup. Hop, voilà. On met tout ça là-dedans. Wouah, bonne situation. C'est vrai, c'est vrai. Alors, mais, oh, purée, mais... Ils valent tellement cher. Oh, les radeaux aussi. Oh my god. Ils valent tellement cela et cela, quoi. Mais celui-là. Oh my god. Quasiment 600. Et non, désolé, je ne vais pas le vendre. J'ai envie de le garder. Oui. Écoutez, si on en a dans l'aventure plein d'autres. Vers la fin de l'aventure, c'est sûr, on va les vendre. Mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de le garder pour un petit souvenir. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. À mon avis, je vais faire qu'est-ce qu'ils aiment les slim. Attendez, c'est quoi? Je vais voir Slimpedia et slime. Voilà, les slim rad. Oka, ça j'ai. Ok, les oignons étranges. Ok, bon, bah écoutez, je vais faire une petite coupure pour faire pousser toutes ces choses. Écoutez, puisque je suis là, on va quand même aller visiter cet endroit que je suis encore pour l'instant jamais allé, hein, parce que à chaque fois que je suis ici, je prends le téléporteur là. On va aller voir. Petite caisse là, ok. Ça descend, il y a de l'eau là. Il y a quoi? Ouais. Intéressant. Là-bas, c'est quoi en face? Oh, c'est là où on était avant, ouais. Ok. Il y a quoi là? What? Ok. C'est un peu bizarre ici. Ça va où là? What? Je suis où là? What? Oh. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment étrange. Comme endroit. What? Ah mince. Eh mais c'est vraiment bizarre là, je suis sans voix là, je comprends pas trop cet endroit. Hop, voilà, j'ai réussi à monter. C'est vraiment ouais, très étrange quoi, c'est un monde un peu secret, ouais. Un peu. Ouais, c'est vraiment bizarre quoi, genre. C'est pas... c'est obligé qu'ils aient foutu. Qu'ils aient foutu un truc. C'était obligé. Parce qu'ils peuvent pas mettre comme ça et tout. Non, 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 c'était obligé. Ah my god, mais la découverte quoi. Ah mais là franchement là je suis content d'être venu ici là. Ok, non, non, faut que je le retienne quoi, où c'est là. C'est genre vers où? C'est genre vers en haut. Ah, c'est genre vers en haut. Ouais, ok.
Regardez, on va voir combien ça va payer. Mais à mon avis, ça va payer masse. Regardez, il y a plein de cristal. Regardez l'argent. Oh my god, mais c'est abusé. Waouh, mais c'est limite n'importe quoi. Oh purée. Ah la vache. Ah là, l'argent qui me tombe du ciel. Hop, on jette ça. Hop, hop. Maintenant, on va chercher les fameuses. Non, pas là. Les fameuses Oka Oka. Ah non, il m'en faut qu'une. Oh, je donnerai les autres. Ouais. Et les Oka Oka. Voilà, les Oka Oka. Voilà. Barre à salade. Ok. Hop, on va donner ça, tout ça, aux rades qui ont super faim, mon avis. Voilà. Maintenant, on va faire la petite maison des slimes rocheux. Hop. Au mur, filet aérien, collecteur de plantes. Voilà. Hop, 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 hop. Et je vais essayer de mettre de la musique. Pour les. Pour ceux-là, s'ils sont un peu dangereux. Non, c'est pas ça. C'est l'autre. Je vais essayer de mettre un peu de musique là quand. La boîte à musique joue un air apaisant qui réduit considérablement l'agitation des slimes. Voilà. Parce que. Ils sautent dans tous les sens. Et après, ils font des gros pics. Avant, un moment, j'ai traversé. J'ai voulu essayer de traverser. Je vous jure que j'ai été à 60 PV quoi. Genre, c'était. Waouh! Pour eux là-bas ça va, mais c'est surtout pour eux quoi, parce que waouh, avec tous ces pics ça fait mal, hein, regardez. Ah, 80 PV, ouais, effectivement ça fait vraiment mal. Waouh, regardez-moi ça, c'est magnifique là, tout ça, oh miam miam. Bon, aussi ce que je voulais faire là, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est améliorer le club là, parce que là on est niveau 2 et j'aimerais bien passer niveau 3. Sauf que pour ça, il faut quand même 1500. Niveau 3, ok. Je sais pas combien il y a de niveaux, mais admettons, il y a 50 niveaux. Si déjà, niveau, pour aller niveau 3, il faut 1500. Pour aller, je sais pas, niveau 50. Là, waouh, on va douiller. Hein. Mais bon. Ah, j'ai plus assez d'emplacement pour les carottes. Enfin, j'ai plus assez de place. Oh, tant pis, on va laisser pourrir ici. Hein. C'est pas notre souci. Hop, voilà, on prend tout ça. Hop, hop, hop. On prend aussi ça. On va donner ça, tout ça au slime. Comme ça, ils vont faire plein de petits caca. Plein de petites plortes. Et comme ça, on pourra vendre tout ça. Et se faire masse de thunes. Mais c'est moi ou ils poussent sans arrêt là. Ah, voilà. Hop, on va aller donner tout ça. Les oignons bizarres qui sont assez bizarres d'ailleurs parce que ils font aussi pousser des carottes, hein. C'est un peu chiant. Non, pas de l'eau, mais pourquoi je lance de l'eau moi? Hop, je lance ça. Hop, 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 j'en donne plein des carottes. Qui veut des carottes? On va en donner. Voilà, comme ça. On donne le reste à eux là. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça. Et on donne ça ici. Oh, il est... Ceux dans tous les sens sont tellement heureux de recevoir la bouffe. J'ai faim, j'ai faim. Oui, toi aussi, tiens. Allez, prenez ça. Et maintenant, pour les slimes qui sont là-bas, les slimes radioactifs. Waouh, on voit plus rien. Je vais peut-être en enlever quelques-uns des slimes rad, parce que là, ils sont un peu beaucoup. Voilà. Alors, on va revenir ici. Hop, on va activer ça. Waouh, avec ça, on aura beaucoup d'argent. Hein. Et je vous le dis, avec ça, l'argent, il va grimper facile. Hein. Encore un petit peu. Oh oui. Mais là, l'argent, laissez tomber. Hein. Waouh, regardez ça, les amis. Oh, my god. Mais c'est avec ça, on n'arrive pas à atteindre les 5000. Je comprends plus rien, là. Ah là, je comprends plus rien. Bon, encore, c'est en baisse, tu vois. Mais sinon, quand même, quoi. Oh, ça, c'est dommage qu'il y a tout qui est en baisse. Hein. Mais quand même, ouais, on a au moins limite 5000, là. Largement. Ouais, on a largement 5000, là. Surtout, les slimes radioactifs, en fait, ils sont beaucoup plus productifs. Enfin, ils sont beaucoup plus rentables du sens où... Ah ben,
Déjà, regardez, tu m'étonnes aussi avec tout ce que je leur ai donné. Ils sont beaucoup plus productifs, du sens où ça, c'est plus chiant en fait. Est-ce que ça, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez, beaucoup plus de carottes. Alors que au moins, quand on plante ça, là, les oka-oka, bah, c'est tous des oka-oka. Donc, il y en a beaucoup plus. Donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir des plortes de rad que d'avoir des plortes de cristal. C'est pour ça que les radioactifs, ils sont plus. Ouais, ils sont mieux, quoi. Et voilà, ils sont mieux. Alors là, avec tout l'argent qu'on a, en fait, vous vous dites, mais attends, en fait, il peut acheter ça, là, ici, là, comment ça s'appelle, le laboratoire limite. En fait, je pourrais, parce que je sais qu'il y a encore des plortes là-bas pour les Slim Chats que j'oublie assez souvent. Mais non, en fait, hein, parce que j'aime vraiment pas aller trop vite dans les jeux. La prochaine fois, on achètera comment ça s'appelle, je sais pas. On achètera ici, voilà, on achètera ici la prochaine fois. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment se baser sur les récompenses du 7 Z Club. Donc, amélioration du chemin, 1500. Amélioration de la terrasse, 2000. Hop, des nouvelles couleurs. Amélioration de l'arche. Voilà, et maintenant, je n'ai plus assez. On est passé niveau 6. On a reçu un nouvel email. Machin, ok. Ouais. Oh oui! Oh, c'est magnifique maintenant. Oh, oh, c'est tellement beau. Oh, regardez, maintenant on a un chemin. Et... Ah ouais, ça maintenant. Et regardez maintenant, je crois qu'il y a une image là. Ouais. Ah, c'est tellement bien. Ah, je kiffe. Ah, c'est. On peut pas la fermer? Oh, ça, si on pouvait la fermer, ce serait tellement stylé. Ah, mais je kiffe. Ah, c'est trop bien. Et normalement, je sais qu'aussi, après, au bout d'un moment, normalement, on peut changer même la couleur comme ça de ce qu'il y a autour des... Oh, mais c'est tellement satisfaisant de voir ça. Et normalement, voilà. Et normalement, il y a ça. Oui, voilà. Donc, ça, par exemple, on peut prendre cette couleur-là. Regarde, en bleu. Oh, franchement, en bleu, il est stylé. En bleu, il est assez stylé. Non, rose, j'aime pas. Et classique, il est comme ça. Oh, franchement, en bleu, j'aime bien. Hein. Ah ouais, en bleu, il est stylé. En bleu, il est stylé. Ça, je sais pas ce que c'est. On va le mettre en rose. C'est... Ah oui, regardez, c'est ça. Bon, là, c'est moche, vous voyez. Mais après, c'est chacun ses goûts et tout ça. Mais perso, là, j'aime pas vraiment. Ça change tout en rose, comme ça. Et si je le mets en comme ça... Et tout qui s'est changé en bleu et tout ça. Personnellement, je préfère comme c'est d'habitude, quoi. C'est plus stylé comme c'est d'habitude. Là, c'est la maison. Regardez, par exemple, on peut la changer en rose si on veut. Bon, perso, c'est pas trop mon kiff, hein. Hop. Juste pour essayer de voir. Oh, en vrai, comme ça va encore. Hein. Ah bon. Le classique, franchement, je trouve qu'il est pas mal. Franchement, il est bien le classique. Le classique, on va laisser en classique. Et puis, franchement, on aura fait pas mal de trucs dans cet épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit like. Moi, ça me permet de savoir si vous avez aimé la vidéo et la série. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!